naturel, là, comme vous le voyez, c'est votre amaryllis. Comment vous voyez? C'est la santé. Voilà. Je dis bien, la santé, c'est la première des choses. Donc, mes cœurs, je suis heureuse, contente de vous partager ce jour avec vous, mes chéris. Voilà. La famille, la recette qui aide beaucoup. Avoir aidé mes frères, mes soeurs. Cette recette, ça aide beaucoup. Voilà. La recette des hémorroïdes. Vous avez vu, non? Interne, là. L'hémorroïde, là, qui fatigue vraiment la famille. Tu as fait des opérations, tu as tout fait, tu n'arrives pas à se réagir, c'est de ça. La santé naturelle de l'homme, c'est la première des choses. Tu te vois vraiment en bonne santé. Il faut remercier le bon Dieu. C'est de ça. C'est de ça. Les autres choses viennent accompagner la santé, mes amours. Donc voilà. Parmi nous, il y a des hommes qui ont des problèmes avec ça. Parce que quand ça se fatigue beaucoup, là, même pour aller faire le miel de la nuit, tu ne peux pas faire. Parce que ça dérange beaucoup. Voilà. Tout ça donne vraiment le dos. Ça joue sur le dos, mes bébés. Voilà. La constipation, ça provoque beaucoup de choses. Donc, mes amours, c'est de ça. Que je partage pour éviter ça, pour avoir la santé naturelle de l'homme. Des aliments naturels qui repoussent vraiment la beauté naturelle de l'homme, tu te fais toujours fraîche. L'homme doit être toujours fraîche. Par tel moment, on te voit là, on te voit toujours, tu as des jolis visages. On te voit toujours, tu es bien tarée. On te voit toujours, tu es bien nourri. C'est de ça, mes amours. Mais comment si tu as toujours, aujourd'hui, la tête te fait mal, demain, le cœur te fait mal, après-demain, les fesses te font mal, après-demain, tout le corps. La famille, c'est de ça que je parle. La santé de l'homme, c'est la première des choses. Oui. Quand on est en bonne santé, ça se voit. Voilà, ça c'est bon. N'importe ce que tu vas porter, ça va te partir. N'importe ce que tu vas manger, on va te voir avec ton corps. C'est important, la santé, c'est là-bas, mes amours. Voilà. Donc, je partage la recette là avec vous, mes cœurs. Avec vous, mes chéris. Voilà. Mes bébés d'Amarillo. Voilà, mes bébés. C'est très simple. Allez-y, essayez. On ne sait jamais. Dieu nous regarde, Dieu nous aide. C'est Dieu seul qui peut aider l'homme. Voilà. Dieu va nous donner sa solution pour ça, pour nous aider beaucoup. Voilà, mes chéris. Merci pour ça, mes cœurs. On va démarrer, vous allez voir. Ne t'inquiète pas, la famille. Ces recettes-là, c'est très simple, c'est naturel. Voilà, ça t'a fatigué, je t'en prie, c'est l'ail. Tu m'as vu d'autres choses? L'ail. L'ail va t'aider. L'ail va faire vraiment son rôle, comme vous le voyez. Râper l'ail, là, quand tu vas finir de râper l'ail, qu'est-ce que tu vas faire? Avec le beurre de karité, tu vas mélanger avec ça. OK, mes bébés? Voilà, je vais continuer. On va démarrer. Voilà. Vous le voyez? J'ai pris juste 3 gousses de l'ail. Vous pouvez prendre 4, 3, c'est bon. Voilà, j'ai pris 3. Je vais râper comme vous le voyez. Voilà. Vous le faites comme je fais, mes bébés. Voilà. Avant d'utiliser, tout doit être propre. La main doit être propre. Voilà. 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 Vous le voyez, c'est ça. La santé de l'homme, on parle de ça, hein. La santé naturelle de l'homme. Donc, mes bébés, comme vous le voyez, j'ai déjà râpé. Vous allez voir. Donc voilà. Vous n'avez pas besoin d'autre. Je vous ai dit non. La recette est quoi? C'est l'ail plus la beurre de karité. Vous connaissez bien beurre de karité, non? Donc je mélange l'ail avec beurre de karité. Vous allez mélanger ça. Voilà. Quand vous faites là, vous le voyez, non? Voilà la famille. C'est de ça. Cherche le coton, comme vous le voyez, vous allez l'introduire avec le coton. Tu n'utilises pas les doigts, hein? Ça peut être les doigts sont infectés. Tu laves ta main proprement avant d'utiliser. La santé, c'est la première. Tu utilises ça après, tu utilises ça, tu introduis là-bas. Voilà, l'ail là va rentrer, ça va t'aider beaucoup. L'ail et beurre de karité, ça te donne la santé naturelle. Merci la famille.